village. Allez, Virginie, faut qu'on se dépêche. Jean nous attend pour préparer le campement. Oh, j'en peux plus, j'ai mal au dos et j'ai les pieds en compote. Oh, c'est pas humain. Tiens, t'as qu'à me donner un sac. Je vais t'aider. Tu sais, pour une seule nuit, c'était pas la peine d'emporter la moitié de ta chambre. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces sacs? Ne me dites pas que vous vous êtes enfin décidé à quitter le village. Très, très drôle. Et toi, tu vas au carnaval habillée comme ça? Je reviens de mon cours d'équitation, ma chère. Et même Qu'André a dit que j'étais la reine du rodéo. Oui, et il a ajouté, elle tombe tellement qu'elle est plus souvent par terre que sur le dos du poney. Eh bien, nous, on va camper à la cabane avec Jean. Attention, sous la surveillance de Virginie. Ouais, enfin, c'est vraiment pour vous faire plaisir, parce que la campagne, la gadoue et les bestioles, c'est pas mon truc. Toujours à critiquer celle-là. Mais regarde-toi, ma pauvre Virginie, tu es toute pâle. Respire le grand air, profite du soleil et tu seras belle, sportive et résistante, comme moi. Poussez-vous, bande de nuls. Attends-moi, attends-moi. Elle est vraiment insupportable, ta copine. Non, c'est pas ma copine. T'as vu? Moi aussi, je suis sportive et résistante. Bah, qu'est-ce que t'as? T'es toute rouge, on dirait une betterave. C'est à cause de ce vélo. Les freins sont bloqués. Bah, ils marchent très bien, tes freins. Oh, mais tais-toi, idiote. Oh non, voilà les campus du dimanche. Cachons-nous. Ah bon? Pourquoi? Tu veux pas qu'elle te voit toute rouge, c'est ça? Mais chut. Bon allez, j'en ai marre, on fait demi-tour. Oh là là, quelle mauviette. Attends, on n'a qu'à prendre le raccourci par le champ du Père Gabriel. Ça ira plus vite et ce sera moins fatigant. Ah, ça c'est une bonne idée. Il n'est pas peur, il est gentil comme tout. C'est Bouboule, le sanglier du Père Gabriel. Reviens. Quelle froussarde! Elles ont peur d'un petit sanglier de rien du tout. C'est une grosse bête quand même. N'aime pas peur. Bouboule, il est sympa comme un toutou. Hein, Bouboule? Hein, c'est mon Bouboule, ça, hein? Hein, Bouboule? Waouh! Ah, dada! Youhou! Rodéo! Je crois que je viens de trouver les coupables idéales. Bon, Martine, tu m'aides à monter la tente. Et toi, Virginie, tu vas chercher du bois sec pour faire le feu, d'accord? Moi, j'en ai marre. Et puis, j'ai soif. Quelqu'un a vu ma gourde? Quoi? Bouboule, Bouboule, Bouboule. Bonjour les enfants. Dites donc, j'avais pas vu Bouboule par hasard? Quelqu'un a ouvert la barrière et Bouboule s'est enfui. Oh, c'est grave, nom d'une pipe. La dernière fois qu'il s'est échappé, il a fait des catastrophes dans tout le village. Monsieur le maire m'a prévenu. La prochaine fois, ce sera cric-crac. En cage, le Bouboule. Ben non, on ne l'a pas vu. Hein, les filles? Bouboule! Bouboule! Il faut le retrouver avant qu'il provoque de nouvelles catastrophes. Oui, on le remet dans son enclos et hop, ni vu ni connu. Allez les filles, au boulot. Eh, mais vous partez déjà?
Ne vous gênez pas, je m'occupe de tout. Vous avez fait une grosse bêtise. Mais non! Ce serait pas ça que tu cherches? C'est ma gourde! Qu'est-ce que tu racontes? Inutile de nier, on a tout vu. Vous avez laissé la barrière ouverte et Bouboule s'est échappée. C'est grave. Je vais le dire à mon père, Monsieur le maire. Mais attends, on va le retrouver. Ça va, Vincent? Tu n'es pas blessé? Pas de panique, les filles. Y a pas de dégâts. J'ai évité de justesse un sanglier qui m'a coupé la route. Réflexe, oh là là. Et hop. Et il est parti dans quelle direction, ce sanglier? Ça, je sais pas. Il a traversé dans ce sens, mais après, j'ai pas regardé. Je peux pas tout faire en même temps. Allez, aidez-moi à sortir de là. Oui, dépêchez-vous. Comme ça, tu m'amèneras au village. J'ai quelque chose de très important à dire à mon père. Mais quelle gourde! Je vais être obligée de tout faire moi-même, comme d'habitude. Attendez-nous ici, on va chercher du renfort. Bon, ça nous laisse un peu de temps avant qu'ils arrivent à repartir. Il est sympa, Vincent. Et puis, il est plutôt mignon, non? Au lieu de rêver, tu ferais mieux de m'aider à chercher Bouboule. Et c'est reparti avec Bouboule. Bouboule! Viens ici! Allez! Oh, il est trop rapide! Bouboule! Allez, Bouboule! On n'arrivera jamais à l'attraper en lui courant après! Alors qu'il est la championne du rodéo, a dû prévenir son petit papa! Le rodéo? Ça me donne une idée! Faites attention, les filles! Pas trop vite et pas trop loin! Oh oui, promis, oncle André! Oh, elles sont mignonnes! Mais comment on va faire pour l'attraper? Il est là! Allez, au galop, Pépito! Yeeha! Attends-moi, Martine! Quoi? C'est ça! Amusez-vous, les filles! Vous avez vu mon sanglier? Il s'est encore échappé, ce maudit bestiau. S'il commet une seule catastrophe, cric, crac, en cage. Non, pas de sanglier, pas de Bouboule. On aurait pu demander à Martine et Virginie, mais elles viennent juste de partir en balade. Ce sont elles les coupables. Elles ont ouvert la barrière, elles ont joué avec le sanglier et l'ont laissé s'échapper en rigolant comme des baleines. Nom d'une pipe. C'était pas plutôt nous, ça? Mais tais-toi. Si quelqu'un trouve le sanglier avant nous, il verra qu'il porte ton licol et c'est toi qui seras puni, non? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Hé, mon poney! Émilie, reviens! Ma fille! Mon sanglier! Mon poney! Dépêchons-nous, Vincent! Mon triporteur! Marrant la campagne. Amusez-vous, les filles, et revenez quand tout sera prêt. Arrêtez-vous, c'est dangereux. Vous allez vous faire mal. Bouboule, arrête-toi, nom d'une pipe. Mais j'ai tiré en avant. Émilie, laisse tes copines tranquilles.
Tu peux faire une telle bêtise et accuser tes copines. C'est pas notre copine. Mais c'est de la faute de Martine. C'est vrai, c'est un peu de ma faute aussi. On a voulu prendre un raccourci et puis on a été surprise par Bouboule. On a eu peur, on s'est enfui sans refermer la barrière. Mais Bouboule était toujours dans le champ, ça c'est sûr. Martine, je te félicite pour ta franchise et ton honnêteté. Alors, je propose une punition collective. Ça vous va, les copines? C'est pas notre copine. C'est la reine du rodéo. La reine du rodéo. Oh là là, quelle journée! Merci, Martine. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Oh. Voilà, on va se régaler. Mais je vous préviens, c'est vous qui faites la vaisselle. Ah. Ah là là.